Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce lundi 23 août 2021. Front populaire ivoirien affinguissant, l'aile radicale, extrémiste et même xénophobe s'est détachée de nous, affirme le premier responsable du FPI à la une du journal Fraternité Matin. Affinguissant lève également un coin de voile sur ses relations avec Henri Conan Bédier et Simone Gbagbo. FDFP, le putsch de Joël Guessin contre son secrétaire général, Ange Léonide Barry Battesti, peut-on lire à la une du journal Le Sursaut, les vices de procédure qui entachent la décision de l'ancien ministre à retrouver dans le journal. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Soro Kelefoa, initiateur de l'appel de Mama, explose dans une interview exclusive accordée au journal L'Avenir. Laurent Gbagbo est pris en otage, affirme-t-il à la une du journal. Assou Adouma jeté en prison, ajoute-t-il. Ses révélations sur Simone, Danon Djedje, Odette Lourignon et Michel Gbagbo a retrouvé au cours de cette interview. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.